Or, le Colisée cache un secret inattendu, son emplacement. Il a été bâti sur les vestiges de l'immense palais de Néron. Néron avait désiré une demeure personnelle exceptionnelle que seul un empereur pouvait s'offrir. La maison dorée, Domus Aurea en latin. Un palais prestigieux, de plus de 200 pièces, a formé un ensemble architectural et paysager immense de 80 hectares en plein centre-ville de Rome, s'accaparant le quart de la ville. La construction de Domus Aurea a été un projet extraordinaire. Extraordinaire d'un point de vue financier. Tous les auteurs s'accordent à reconnaître que Néron y a dépensé des sommes folles. C'est à cet endroit, à l'est du centre de Rome, sur l'Oppius, que Néron a édifié sa somptueuse demeure. La Domus Aurea s'étendait sur plusieurs collines, du Palatin à l'Esquilin. Presque entièrement disparu, ce palais reste mythique. Sa construction a posé des problèmes inédits. C'est un énorme défi pour les bâtisseurs. C'est à la fois un ensemble de bâtiments, mais aussi des jardins et des exploits techniques. C'est une maison high-tech, on dirait aujourd'hui. Il voulait étonner, épater, il cherchait l'exploit technique. La voie sacrée est élargie et monte pour atteindre son vestibule où trône une statue colossale de l'empereur, figurée en Apollon. Haute de 35 mètres, la statue de Néron domine Rome. Si les portiques à colonnes sont prisés, on les a ici triplés et sur les trois côtés, pour une longueur totale d'un kilomètre, tout est démesuré. La façade principale est orientée au sud, afin de profiter de la course du soleil. Le visiteur découvrait ensuite ce lac artificiel rectangulaire, entouré de salles de service. Il y avait des bains, des fontaines monumentales, réclamant des quantités d'eau énormes. Ainsi est né au milieu des vignes un projet audacieux. La mythique salle à manger tournante de Néron, un bel exemple du génie romain. Les ruines visibles aujourd'hui ne sont que les restes de ce soubassement aux allures de tours. On avait une tour avec une colonnade au sommet et à l'intérieur une salle à manger qui tournait en permanence. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Suétone, historien romain du 1er siècle, l'a décrite ainsi. La salle à manger principale était ronde et tournait jour et nuit sur elle-même, en imitant le mouvement du monde.